Buongiorno, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce sera un vidéo haul Shein, catégorie curvy. Mais il y a aussi un invité spécial dans cette vidéo. Comme vous avez compris, je ne suis pas toute seule. Parce que vous devez savoir que moi, j'étais là à chercher à droite à gauche sur Shein. Je voulais passer une commande et finalement, quelqu'un s'est invité dans ma commande. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous avez compris, il y a quelqu'un qui a fait ses achats et moi, finalement, j'ai acheté que deux petites choses et lui, il a acheté plus de choses que moi. Dites-moi, monsieur et madame, si ça, c'est correct, hein, qu'il a acheté plus de choses que moi. Alors, du moment qu'il a voulu s'acheter des choses, j'ai dit, alors, tous les montres, tu vas les porter et tu vas montrer aux autres. Je vais devenir comme, voilà, un top modèle. Un top modèle, tu vas faire un top modèle parce que je me suis dit qu'il y a peut-être des hommes qui regardent la vidéo ou des femmes qui regardent la vidéo et seraient intéressés à passer des achats pour leurs conjoints, leurs maris, leurs amis, leurs frères. Donc, pourquoi pas montrer même version Shein, version homme. Alors, première chose qu'il a pris sont les baskets blanches. T'en penses quoi, Sofiane, des baskets? Alors, elles sont belles, mais pour 20 euros, la qualité, elle laisse à désirer. Laisse à désirer, oui, d'accord. Et ensuite, un pantalon noir avec des poches. Bah, bref, je l'ai pris en taille M, mais j'aurais aimé que ça soit en L. Mais c'est bon, mais c'est juste, c'est estival, c'est les fins. Il est fin, d'accord. Après, j'ai pris ce sweat noir, simple, avec un triangle. Ouais. Ça va, la qualité, elle est belle. Il est chaud dedans. Oui. Et j'ai pris cette petite casquette. Et l'ensemble de chaîne aussi. Ouais. Et l'ensemble de chaîne qu'elle m'a offert à la fin. Je ne m'attendais pas. Elle me l'a offert, c'est une surprise. Oui. J'ai pris un deuxième pantalon. Même truc avec des poches colorées, c'est ça que j'aime bien. Il est joli celui-là, oui, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Tourne-toi, montre à l'arrière. Tu peux même le mettre avec des chaussures vertes, comme ça, tu t'habilles, ça s'habille bien. Après, le même truc, il est fin, c'est estival, c'est pour l'été, quelque chose comme ça. Et toujours taille M. Et toujours taille M, j'aurais aimé aussi que ça soit un peu large. Mais là, c'est ta faute, il faut prendre une L. Parce que monsieur, il dit non, moi je prends une M, moi je prends une M. Mais il n'a pas compris qu'il a grossi. Donc, il pense toujours qu'il est une M. Mais L, c'est mieux parce que c'est des modèles qui font. C'est des modèles qui doivent aller large. Donc, mais ça lui va. Ça lui va, mais voilà. L, ça aurait été mieux. Ouais. J'ai oublié de vous le dire, c'est une taille L. Et pour vous faire juste une idée, moi je pèse 75 kg et la taille soit 1m78 et ça me va juste. Moi je me suis pris cet ensemble taille 1XL. Pour le haut je trouve que ça va, pour le bas je trouve que c'est un peu grand sur moi, je fais 1m60 presque et 90 kg donc je le trouve un peu grand. Mais si vous en bas vous êtes plus ronde, ça peut être bien. Moi, ce que je vais faire là, je vais tourner un peu le haut, comme ça, ça fait moins étrange. Voilà. Et par contre, le haut taille 1XL, c'est bien. Il est bien chaud à l'intérieur, il a une petite laine, soit le haut que le bas. Même la matière, je trouve qu'elle est bonne. Je l'ai payé presque 20 euros. Après, avec la réduction, ça revient un peu moins cher. Après, je me suis pris ce collier qui est doré avec une pierre noire. La qualité, c'est moyenne. Il fait pas trop plastique, mais voilà, il n'est pas trop excellent de qualité non plus. J'ai pris également ce haut. Parce que j'ai besoin de choses pour rester à la maison, donc pour être un peu plus décontractée. Et ça fait un peu pyjama, même s'il était dans la catégorie sweat. Et à différence de l'autre, il est en coton dedans, il n'y a pas la petite laine, mais il y a un très très bon coton.
Par contre, j'ai pas trouvé quelque chose que je pouvais mettre comme ensemble en bas. Mais voilà, j'ai des autres pantalons à la maison, c'est pas grave. Sinon, ce côté sympa aussi d'avoir le bas. Et j'ai pris également ce collier là. Ça se voit pas trop sur cette sur ce haut, mais il est trop beau. Il est en plastique, mais il est tout coloré. Il est beau. J'ai également pris des emballages comme ceci. C'est des emballages qui sont adéquats pour aller au congélateur pour stocker des aliments. Et du moment que j'essaie de remplacer le film plastique le plus possible, j'ai voulu tester. Il y en a plusieurs tailles. J'ai pris taille L et c'est pas mal. C'est pas mal comme grandeur de taille. Je vais le tester, je ne l'ai pas encore testé et je vous dirai si ça vaut la peine ou pas. Mais qualitativement, à la main, ça semble bien et ça ferme aussi très bien hermétiquement. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je vais voir aussi comment ça résiste au lavage et qu'est-ce que j'arrive à mettre dedans comme aliment, par exemple, à congeler. Enfin, j'ai pris trois ensembles lingerie que je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo-ci. Je vais vous les montrer dans une autre vidéo. Mais juste pour vous faire une idée des pièces que j'ai pris, je vous le montre un vite fait. J'ai pris quelque chose dans ce genre parce que je voulais tester la catégorie lingerie curvy et voir si ça pouvait me convenir ou pas. Mais mon avis, vous l'aurez dans la prochaine vidéo. Qui concernera uniquement la lingerie curvy. J'espère que la vidéo, ça vous a plu. Non, 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 attends, on va leur faire voir, moi aussi, même qu'est-ce qu'on est en train de préparer. Tu veux Je lui préparais. montrer qu'est-ce que tu prépares? Ouais. Mais ça n'a rien à faire avec la vidéo All Shein. C'est pas grave. C'est pas grave, ils vont voir qu'est-ce que je prépare, c'est tout. Une surprise. Une surprise? Oui. Mais c'est quelque chose de bon au moins? Très, très beau. Qui se mange? Sucré ou salé? Salut, salut. Salé? Ouais. Donc, si vous voulez voir ça, restez encore à regarder la vidéo parce qu'apparemment, la vidéo, ça s'arrête pas ici. Il faudra nous montrer quoi, Sofiane? Et c'est quoi, Sofiane, ça? Pâte à pizza. Ça va être trop bon. Mais est-ce que va te donner la recette de ça? Avec une seule condition, hein. Quelle condition? Donc, la vidéo reçoit 100 likes. D'accord, donc son like pour la vidéo et Sofiane va vous donner sa recette de focaccia. Je voulais juste un peu voir pour vous donner envie. Alors, les châtaignes de chez Lidl, elles sont pas bonnes du tout. Il y a plus des pourries que des bonnes. Et voilà, le dîner c'est prêt. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Sofiane? On a belle la focaccia Ouais. aux légumes. Mais les légumes, dis la vérité, c'est moi qui l'ai fait. Pommes de terre, potiron, oignon. Si vous avez regardé la vidéo précédente, c'était une garniture que j'avais préparée et Sofiane, elle l'a mis sur la focaccia bien chaude. On commence. Oui, on Écoutez le commence. bruit, écoutez. Oh là 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 là. Il y a une pomme de terre qui se balance. Oh là là. Après. Ah, mamie, quel bon tas. Ça a l'air trop bon. Oui. C'est comment? C'est trop bon. Vraiment, c'est très bon. Alors, hier, on avait terminé la vidéo avec la focaccia de Sofiane. Et aujourd'hui, je suis partie un peu au centre commercial. Et je suis rentrée chez Normal. Et effectivement, j'ai trouvé les mêmes sachets réutilisables que je vous ai montré, que j'avais acheté sur Shein. Et c'est un paquet de 3. Et j'ai payé 3,70 €. Là, je vais les ouvrir et voir si vraiment c'est la même chose. Sachant ici, ça me semble que oui.
Écoutez, je les ai ouverts et franchement, c'est vraiment la même chose niveau d'épaisseur du papier aussi. Et la fermeture, c'est la même. Seulement, chose qui est différente, c'est la taille. Sur Shein, j'avais pris une taille L. Là, ils disent les tailles. Celle-ci, c'est 22 pour 18,5. Donc, je pense que si on veut le convertir en taille Shein, ça doit être une taille M. Ah, je les teste et si c'est bien, pourquoi pas, je vais les acheter encore des autres. J'espère que la vidéo, ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Oui, exactement, vous trouverez tout ça en barre d'infos, soit mes réseaux sociaux que les réseaux sociaux de Sofiane. Et on vous attend. on vous attend nombreuses. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Kisses.